Vincent Moscato. On y revient au Mastic et c'est l'heure sur RMC du journal moyen d'Adrien Gouin. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Mike Horn, un aventurier de l'extrême du foot, sera avec nous dans le journal moyen. Et il a eu très froid, Vincent. Il faisait moins un, t'imagines? Encore quelques petits. Quel acculé, lui. Le mec, alors lui. Voilà lui. Ah, mais je lui dis, bon, ça fait. Annoncer à Pierre Dorian il y a 10 ça minutes. Ça fait 15 ans qu'il fait de la télé. Ça fait 15 ans qu'il fait de la télé, il est jamais sorti du studio. Et quand il prend le périph' derrière le scooter, il fait une flaque. Il monte pas sur le scooter. Mais le mec, c'est la plus grosse truffe que j'ai connue de ma vie. Encore quelques Moscars et puis c'est gratuit. C'est gratuit, Vincent, mais Denis Charvet sera avec nous parce qu'on me l'a demandé. Gratuitement. Vous écoutez, c'est gratuit. Vous écoutez RMC, c'est le 475e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. J'ai froid, Vincent. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Jingle Moscar, s'il vous plaît, encore. Faut pas tirer un trait à tout ça, faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. Le Moscar, concept inventé par Jacques Delmas, qui je crois est à la recherche d'un club, Vincent. Donc Moscar ou pas. Toi un jour il va te gifler, quand il va te voir, il va te gifler. C'est pour lui rendre service, hein, moi je suis pour rien. Non, c'est pour se moquer de lui. Non, mais non. Ah si, je te jure, tu vois, il va te gifler. Peut-être un Moscar. Eric, toi t'es le roi du Moscar, tu vas déterminer si c'est un Moscar ou pas, on va vérifier à deux exemples. Non, je suis parti de l'académie, des Moscars. Ouais, mais t'es quand même assez doué. Christophe Dugarry nous parle du niveau de Paul Pogba, du gars. C'est ce qu'on pensait pendant un moment, on pensait que ce joueur, quand lui nous expliquait qu'il voulait être ballon d'or, on pensait qu'il pouvait être de cette crampe-là. Non. Ça c'est un lapsus, ça. Je suis désolé. C'est la fellation à la place de l'inflation, tu vois. C'est-à-dire le mec, d'après moi, il avait un truc dans la tête du gars. Pas validé par le... D'accord. Il peut arriver à Pogba d'avoir des crampes en fin de match. Lapsus, tu appelles ça comme tu veux. Saucisse, pas Oscar, mais belle saucisse. Deuxième candidat au Oscar, Pierre Ducrot, membre de la Dream Team, à la fin du match des Bordelais hier en Ligue Europa sur RMC Sport 1. Il nous explique que la saison va être un peu longue pour les Girondins de Bordeaux, Pierrot. Le plus important reste à venir pour les Bordelais. C'est bien figuré dans cette Ligue 1, c'est récupérer une place honorable d'Européens. Mmh. Les Bordelais ont du travail sur la planche. Mais... Oui, alors il manque le pain. Eh oui, parce que sans le pain, ça m'a pas choqué. Ah d'accord. À vous, sur la planche, non, si, c'est trop. Disons que c'est un Moscarinho, c'est tout petit Moscar, quoi, tu vois, voilà. Ouais, c'est pas épais. À côté de notre maître à tous, c'est loin quand même. Pour l'instant, tu n'as pas trop froid, Eric. Ça va, ok. Donc sans transition, le Brivois Comedy Club. Allez, on y va. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Gilbert a besoin de week-end, de prendre du repos. Parce qu'hier, il est pendant la soirée foot sur RMC. Moi, je l'ai trouvé très fatigué, Vincent. Accroche-toi. Il y a un joueur pendant le même match qui s'appelle Skoda. La troisième est la bonne. Et c'est signé. C'est pas Skoda, c'est Zelezny peut-être qui marque ce but facile du plat du pied. Il trompe Karzakov, le portier du Zénith Saint-Pétersbourg. 1-0 à la 32e pour le Slavia Prague. En même temps, un tchèque qui s'appelle Skoda. Ouais. C'est nul. C'est chaud là. Non, mais le mec dit j'aimerais bien pour une vanne, mais j'en ai pas. Mais ouais, il y a une intention, mais il met pas d'enthousiasme. Quoi. C'est dur là, non? C'est dur là. Hier, il nous a sorti, putain, Tyson, il a du punch. Ouais. Déjà... Bah, hier, ils en ont fait quelques-unes. Hein. J'ai chaud. Écouté un petit moment, je me suis dit ouf. Alors justement, Gilbert se dit, je vais essayer de relever mon niveau. Deuxième et dernière tentative de Gilbert de la soirée. Gilbert? Le deuxième buteur, Maxime. Il s'appelle comment? Il s'appelle Store, Gilbert. Ah, c'est con, il aurait pu jouer au volet. Il aurait pu jouer au volet, pourquoi? C'est 2-0 pour le Stadia face au Zénith. Mais oui, si, les stores et le volet. Un store et un volet à la fenêtre. Ah oui, d'accord, oui, pas mal. Ah, mais store et volet. J'avais pas compris. Je suis le seul à comprendre l'humour au JBR. Ah, mais non, mais j'étais sur le volleyball. Bah oui, mais c'est ça la vanne. Chaud, hein. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Attention, c'est sans terrible. Transition, Vincent, parlons d'un aventurier de l'extrême. Mercredi, à l'autre bout du monde, Eric Dimeco a répondu à un défi unique. Traverser en bateau à voile les océans arctiques. Je vais mourir. Tirer sa luge sur la glace et la neige par des températures de moins 60 degrés. Je vais mourir. Parcourir 20 000 km dans des conditions extrêmes. Je vais mourir. Ça, c'est digne de l'Ukraine, Vincent, puisque mercredi, Eric Dimeco, pour RMC Sport, a répondu à un défi de l'extrême que lui a confié François Pesanti, notre patron. Il a commenté un match à Kiev, Shakhtar Olympique Lyonnais. J'ai cru comprendre, Eric, qu'il faisait froid. Eric. Mais bon, rassure-toi, Vincent, Eric n'en a pas fait des caisses toute la soirée sur le froid et la neige. Premier duplex avant le match sur RMC Sport News, Eric. Qu'on admire Eric Dimeco. Alors, je sais pas si c'est parce que t'as oublié tes gants ou c'est un guerrier, Eric, mais t'es le seul dans le stade à ne pas porter de gants. Quoi. Ah bon? Pourquoi, Eric? T'as pas de gants?
passe. Ouais, je les ai oubliés comme un con, voilà. Ah, bien joué. J'ai oublié les gars. Là, tu bien joué, Eric. Je te jure. C'est horrible. À plus, on est arrivé à l'arrache à l'aéroport. Je pensais à te trouver. J'avais pas... Et je vous raconterai une histoire quand tu même sens, après. Tu sens que Moricou va passer une belle soirée. Autre duplex avant le match. Là, on a décidé de parler de foot, Eric, d'accord? Pour moi, le football, c'est un sport d'été. Hein. Ah, c'est un sport qui se joue sous le soleil et pas sur la neige. Ouais. Ah ouais, là, donc, du coup, j'avoue que les conditions sont particulières. Ouais, il fait froid, un mais sport ça, d'été. Pourquoi je c'est suis sport là sport d'été. Oui. Mais Pierrot, je suis désolé, je ne comprends pas comment dans le football, on ne fasse pas la trêve en hiver et qu'on ne joue pas l'été. Ah. Il y aurait plus de monde, il fait bon. Bon. C'est quoi le... Deuxième duplex, parce qu'Eric est beaucoup sollicité. On ouais, passe à l'aise, celui-là. Ouais. Là, on dit à Eric, on passe à autre chose que les conditions, la neige, le froid, on passe à autre chose, on parle foot. Tiens, parlons du Brésilien qui s'appelle Tyson du Shakhtar, Eric. Deuxième duplex. Tyson, on en entend parler depuis longtemps et on pensait qu'il allait peut-être partir. Preuve qu'ils sont peut-être pas si mal que ça dans ce beau pays. pour des Brésiliens, je sais pas, ils doivent aimer la neige. Il fait froid, mais ça, la neige, les Brésiliens. Bon, sans déconner, il y a une compagnie de Brésiliens là-bas et qu'il faut quoi là-bas, ces gens. Dernier duplex avant le match. Les Brésiliens, ça vaut quoi sur le terrain en termes de foot, Eric? Et le Shakhtar en a des joueurs, notamment la compagnie brésilienne qui vient jouer par ces températures polaires. Ça me fascine, moi, le froid qu'il fait ici avec tous ces Brésiliens sur le terrain. On a compris qu'il faisait froid, mon petit Vessin. Donc là, attends Eric, parce qu'on passe au match, il y a un coup d'envoi. L'arbitre siffle le coup d'envoi, on passe au foot, au match. Ouais, non, les conditions sont plutôt correctes par rapport à ce qu'on a connu en arrivant ici vers 18h, la française. Oui. On était très inquiets. Oui, tu étais très inquiet, Eric, parce que t'as eu froid quand tu es arrivé à 18h à la française. On nous a posé 100 fois la question pour savoir si le match aurait lieu. Arrête. Ça faisait longtemps. Un petit point météo, Eric. Ça recommence à bien neiger, je vous dis. Mais par contre, la neige ne tient pas. Les conditions de jeu. C'est brune délire, en vérité. Ça ne devient même pas gras. Ah, Eric décide de nous apporter en plein match une information qui est très importante, Vincent. C'était pas un jour pour oublier, les gars, ça. Non. Vous savez de quoi vous parlez, Eric. Ouais. J'ai oublié mes gars, mais ça, j'ai trop froid. La suite, parce que là, le match devient un peu tendu. On souffre pour toi. La suite sur le jeu, Eric, le foot, parce que ça reste un match de foot, le jeu. On peut le dire, Luigi, hein, parce que ça fait quand même 4 heures qu'on est au stade. Le match ira au bout. Hein. Oui, le match ira au bout, hein, parce non, que ça fait 4 heures. Mais non, quand on est arrivé, la neige tenait, et on pensait, franchement, la question c'était, est-ce que ça va jouer, ça va pas jouer, puis finalement... C'est fini. Lyon est qualifié, c'est le plus beau moment de la vie d'Éric Dimeco, mais pas à cause de la qualif de Lyon. Hein, parce qu'il rate pas. Ouais. Ils étaient au-dessus aujourd'hui, ils sont venus ici, loin, très loin dans le froid. Très loin. Mais Luigi, elle n'est pas venue pour rien, hein, parce qu'alors, on a galéré, on s'est gelé. Et on a eu froid avec ça, parce que j'ai oublié mes gants. Bravo Éric. Je peux vous raconter une anecdote du coup, parce que j'ai dit j'ai galéré. Donc on avait une heure de retard avec l'avion, tu arrives à Kiev là-bas, l'aéroport il est perdu. Et là on commande un Uber en chopant le réseau Wi-Fi de l'aéroport. Et la craque. Là, monte dans le Uber, tu fais un kilomètre, tu sortis dans la forêt et là on se fait arrêter par les flics. Et là, on sent qu'il y a un gros problème, tu vois. Le mec, le chauffeur Uber, il sort tous les papiers de la boîte à gants. Et là, les flics, ils étaient putain de... Donc nous, le mec parlait pas anglais, le flic un petit peu. Il nous dit, non, il y a un problème avec le chauffeur. Finalement, au bout de 20 minutes, on a commencé à vraiment s'inquiéter. Et au bout d'une demi-heure, on a pris nos affaires, on est retourné dans la neige. Eric Dimeco a cassé, là, non? Faut revenir chercher Uber. C'est pour ça que j'ai dit de la galère et tout, parce qu'on a galéré, hein, franchement. Allez, faut raconter à Olivier Marchal pour qu'il en fasse un film. C'est l'heure de faire plaisir à ses auditeurs, Vincent. Parce qu'il y a des effets spéciaux.